Yo les gens, c'est Drizzt, j'espère que vous allez bien. Mais moi je vais pas vous mentir, hein, ça va pas super bien. Certains l'auront compris au titre, d'autres l'auront certainement vu peut-être par rapport au mini drama qu'il y a eu hier sur Twitter. Peut-être avec le bouche à oreille, ou simplement parce que vous avez regardé la chaîne, vous l'avez vu, bref. Hier soir, donc en milieu de soirée, on va pas se mentir, voilà, il y a 100 vidéos de la Obscure Clan qui ont été supprimées, 100 vidéos parmi desquelles des vidéos qui ont extrêmement bien marché. Je pense notamment à mon opening où j'avais débloqué toutes les armes DLC, qui a fait plus de 20 000 vues, voilà, supprimées. Des vidéos qui étaient aux portes des 10 000, etc. Enfin, avec des nombres de likes incroyables, des commentaires, enfin des bonnes vidéos bien travaillées, disparues, supprimées, voilà. Donc ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer l'histoire, donc comment ça s'est passé en gros, et après je vais vous dire un peu ce qu'on va faire pour changer ça, ce qui va se passer bah, en retour entre guillemets. Donc voilà, sachez déjà bah, dans un premier temps qu'on est vraiment dégoûté, hein. Je pense que ça s'entend à ma voix, j'ai même pas envie de déconner. On est en train de parler avec nos partenaires pour voir si on peut récupérer les vidéos. A priori ça devrait être possible, mais enfin c'est un peu comme si vous bossiez pour rien pendant un mois, et encore ils ont supprimé des vidéos d'avant aussi. Donc bah ça fout un peu le seum, on va pas se le cacher, ça fout le seum. Donc bref, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Et voilà, désolé aussi si je suis un peu malade, mais bon j'ai un peu la crève, vous connaissez, hein, moi je suis souvent dehors, donc forcément je suis un peu malade, bon peu importe. Donc, ce qui s'est passé c'est qu'hier il y a Nano qui a lancé un stream, donc tout se passait bien, enfin... On avait un peu rafalé dans le chat obscur, voilà, en disant un peu, ouais, les streamers, bougez-vous, quoi. Enfin, on a dit ça plus ou moins comme ça, hein. On leur a fait comprendre qu'il fallait qu'ils se bougent, qu'ils n'étaient pas là pour jouer au billes. Donc Nano, bah, s'est dit, écoutez, moi je vais stream. Et sauf qu'on avait mis quelques petites précisions, bon, ça regarde que nous, hein, peu importe, voilà. Et donc tout d'un coup, en fait, voilà, la vidéo du jour sort, commence à faire un peu de vues. Bon bref, peu importe la vidéo, c'est pas important. On commence à faire un peu de vues, et d'un coup, bam, le live s'arrête. Sans prévenir ni rien, et bon je vais pas vous cacher que moi j'ai pas trop compris, ça m'a un peu saoulé parce que normalement on prévient avant d'arrêter le live, on demande, c'est normal tu vois, là vraiment il s'arrête, on commence à s'énerver un peu mais on se dit bon c'est pas grave, on voit que le live reprend, on se dit c'est cool, mais on voit quelqu'un d'autre, genre on voit que c'était pas lui sur son compte quoi, c'était pas Nano, enfin c'était pas Nano qui liveait quoi, enfin c'était un mec qui s'appelait BySangoku qui a aucun rapport avec la team etc, enfin il a en plus insulté les gens dans le chat, donc on comprenait vraiment pas tu vois, donc bah Furox là-dessus s'énerve. Stop le stream et on va pas se mentir, il a kick Nano de la conversation obscure, voilà, il la kick, et ce qui est logique en soi parce que tu passes pas, enfin tu mets pas admin ou peu importe comment, enfin je sais pas comment il s'est démerdé, tu fais pas live quelqu'un qui n'est pas obscur à ta place, c'est hors de question, du coup le kick était justifié. Déjà sachez qu'en plus on comptait le remettre dans la conversation après, bref peu importe. Voilà. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais en train de, voilà, j'étais en train de manger. J'étais de mon côté, j'avais plus trop de connexion. Du coup, bah, je mangeais, tu vois, normal, j'ai le droit de manger. D'un coup, je vais voir, je me dis, écoute, on va quand même checker les vues de la dernière vidéo, on va pas se prendre la tête. Et là, je vois quoi? Je vois. Oui, j'attends la vidéo là, ça fait un mois qu'on l'a mise, tu vois. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont supprimé donc toutes les dernières vidéos qu'on a fait depuis un mois. Donc depuis un mois, quoi. Donc un mois de travail en fumée, donc ça fait ouais, 30 vidéos à peu près. Peut-être un peu plus qu'il y a des fois d'un ami 2. Donc voilà. Et après, un peu au petit bonheur à la chance, au hasard, il a tapé des vidéos au hasard dans le tas. Voilà, parce que par exemple, il y a 3 vidéos que j'ai fait après ça qui ont disparu. Des vidéos que Warnings a fait à l'époque qui ont disparu. La vidéo de Furox n'est plus là. Des très bonnes vidéos ont disparu. Enfin bref, il reste de la merde quoi. Il reste de la merde, j'ai vu ça à temps, le mec était encore en train de supprimer, donc on a pu entre guillemets stopper l'avancement de ça et faire en sorte, bah, on a changé les mots de passe de la chaîne, on a enlevé tout le monde administrateur, donc à cette heure-ci il faut savoir que plus personne peut live sur l'obscur, à moins qu'on redonne vite fait admin quelqu'un, mais voilà, normalement plus personne ne peut live sur l'obscur clan à cette heure-ci, à part Furox et moi, mais comme on n'a pas la co, visiblement ça devrait pas se faire, bon, ceci étant dit, voilà, il y a 100 vidéos qui ont été supprimées. Forcément on a une baisse de motivation, ne vous inquiétez pas, ça va remonter, il y a, voilà, et tout le monde qui est derrière nous, Nexus il nous a motivés à fond hier, il n'y a pas de souci. On va vraiment partir sur un bon pied, et pour ça, bon, on fera une vidéo pour en parler vraiment à 100%, mais sachez vraiment qu'on va recruter des streamers. Voilà, on va recruter des streamers, parce que on s'est fait gauler, tu vois, je vais pas te mentir, nous, on a donné notre confiance aux mauvaises personnes, et ben ça fout le seum. Ça fout le seum, donc on va recruter des gens de confiance avec un matériel complet, une connexion qui va avec, voilà, des gens matures, etc. Enfin, ce sera fini les voies qui courent, entre guillemets. Enfin, c'est juste vraiment, c'était une période de transition et en plus de ça, on s'est fait baiser. Donc voilà, sachez que bah, ça nous fait chier. Franchement, les gars, enfin, Enfin, c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de notre communauté. Et vraiment, si vous pouviez lâcher, je sais pas, un max de likes sur cette vidéo, vraiment pour soutenir simplement, tu vois. Donc bon, parce que c'est vrai que se faire supprimer 100 vidéos, ça fait jamais plaisir. A priori, comme je l'ai dit, on devrait les récupérer, mais c'est vraiment pas certain. Donc vraiment, les gars, là, on a plus que jamais besoin de vous sur cette vidéo pour soutenir, tu vois. Un max de likes, un max de commentaires, non, on en a besoin, je vous jure, parce que c'est vrai que ça fout vraiment le seum. Donc voilà, je dis pas ça pour que vous alliez rafaler Nano en privé ou etc. sur Twitter. C'est vraiment pas le but. Moi, je vous explique juste la situation parce qu'on a toujours été transparent avec nos abonnés. Donc moi j'aime vraiment quand il y a de l'honnêteté, tu vois. Donc bah voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, franchement, on peut mettre dans les commentaires. Ça, je suis juste, encore une fois, comme je dis, c'est le dégoût, quoi. On a bossé pour rien. Mais vous inquiétez pas, on va essayer de se relever. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, les gars. On a besoin de votre soutien pour se relever. Et on va continuer à grimper comme d'habitude, plus fort que jamais. Vous inquiétez même pas. Voilà, donc c'était Drizzt. Je suis désolé si la vidéo n'était pas super fun en soi, mais on était un peu obligé de la faire. Et on se retrouve bientôt pour des vidéos, j'espère, un peu meilleures sur l'Obscure Clan. Allez, ciao.